Salut les escrocs, c'est Flo, on se retrouve pour la suite de l'ascension des divisions, on arrive en division 3, ça va commencer à faire très très mal je pense. Du coup à chaque fois qu'on monte en division, il y a un nouveau joueur qui intègre notre équipe, donc là j'ai décidé de rajouter un défenseur central, il est argentin, il joue en BPL et comme vous pouvez le voir c'est Nicolas Otamendi. Très bon défenseur, enfin je dis très bon mais je ne l'ai jamais testé, même sur mes autres comptes. Donc du coup ça va être une grande première, comme pas mal de joueurs dans cette équipe là. Et puis j'espère que... Bah, je me suis dit en fait, on arrive en division 3. C'était soit je prends un gardien, soit je prends un défenseur central. Défenseur gauche, voilà, je peux encore me taper hein, une carte bronze. Mais là, en défense centrale, il va, enfin surtout en défense quoi, il va me falloir du lourd. On arrive en division 3, ça va faire mal, donc j'ai gardé quand même mon petit Bindia qui est monstrueux. Et je me suis dit, on va mettre un petit Otamendi. Et puis voilà, là, il n'y a plus de contrat pour Douglas Costa et la mascotte Juju. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement aller acheter quelques petits contrats. Et on se retrouve tout de suite pour le premier match de la division 3. Premier match de cette division 3 avec notre équipe. Équipe bronze, enfin on a commencé avec une équipe bronze, c'est plus trop une équipe bronze mais bon on a toujours 69 de collectif, en même temps voilà, en pointe on a Juju et en défense on a encore Bindia ou Anton Sen et Kong Jo Chawin le gardien, donc c'est pour ça qu'il y a quelques traits rouges mais pour l'instant on n'est pas trop mal, on a réussi à monter jusqu'en division 3, on tombe sur une équipe BPL avec du Bolasi, Rémi Shakiri, Payet, Matic, Schoensteiger, Koscielny et compagnie, ça va être très solide, je pense. Wow, ça fait le mec. Ça fait le mec. Allez! Mais non! Il a voulu faire le mec et je me suis dit, je vais marquer. Mais non! La petite barre, on l'avait oublié. Et bah hop, direct, 3 minutes la petite barre. Bien joué ça! Bien joué ça! Ah, dommage! Ah, dommage! T'as failli la récupérer, Douglas. T'inquiète pas, Bindia, que Bindia, il est là dans les parages. Oh, c'est parti! Allez, Juju! Oh, ouais, mes compagnies au physique, ouais. Super! Oh, allez! Oh là, il a trop de chance, le mec! 5 tirs à 1, toujours 0-0. Va falloir vite se réveiller dans cette deuxième période et essayer de planter ce but pour concrétiser cette domination quoi. Parce que lui il va avoir une occasion, il va planter. Hein. Je m'en doutais. La division 3 rigole pas. Ben oui, une occasion, un but, putain. Je suis mauvais les gars. Je domine mon adversaire et lui sur une occasion il marque un but. C'est comme ça, c'est la div 3. Et la div 2 et la div 1, ça va être la même chose. Donc, va falloir vite se réveiller, concrétiser. Allez, on égalise. Un partout. C'est mérité, on lui rend un peu le même but. Sauf que nous, on a fait un petit stop and turn juste avant sur le côté. Thiago Alcantara qui égalise, on revient dans le match. Boum. On a de la réussite. Parce que là, la tête de Schneiderlin, elle est un peu bizarre. Elle est franchement, j'avoue qu'elle est franchement bizarre. Mais voilà, je prends, ça rentre. On prend l'avantage. Allez, oh là là. On prend l'avantage. 2-1. Allez, t'es passé. Bien joué. 3-1. On est sûr de remporter le match. C'est notre toutou national qui marque ce troisième but. Pour nous assurer les 3 points. Les 3 premiers points de cette division 3. Juju. Allez, Juju. Tout en puissance. Il a pas cadré le Juju, dommage. C'était la balle du 4-1. Mais bon, ça sera 3-1 pour ce premier match avec une victoire, je pense, méritée face à Dylan IX. Alors, je sais pas si c'était en français ou pas, mais en tout cas, dès le début de match, je sais pas ce qu'il a fait. Le mec, il m'attendait derrière avec ses défenseurs, il faisait tourner, il voulait m'énerver, je sais pas. Je sais pas ce qu'il a voulu faire. Et on a failli marquer d'ailleurs sur cette occasion-là, on a mis une barre. Et puis voilà, au final on remporte ce match 3-1, donc c'est parfait. On enchaîne tout de suite avec le deuxième match de cette div 3. Agüero, Mané, Eriksen Boost,
ça va faire mal. T'as le mec, il a du Agüero, Mané, Eriksen, et nous on a un petit Juju, carte bronze en BU, qui a pas de collectif. Le mec, il doit se dire, putain, mais c'est qui ce joueur? C'est quoi cette équipe? 69 de collectif. Il fait vraiment tâche, le Juju en pointe. Mais même Bindia, il est tout seul en défense avec le gardien bronze, et puis Juju devant, c'est n'importe quoi, sérieux. Wouah! Il a pas blagué! Ah ouais, d'accord, 1 minute 32, je me prends déjà le premier but. Ah, j'étais pas prêt, j'avoue que j'étais pas prêt. J'étais là en mode, hop, il a fait une passe, un tir, et en plus le tir a ras de terre, genre la balle elle est passée, mais... But I'ma pick up the phone like I just called to say that I'm sleeping through the day. Yeah, wake up with champagne, roll me an A. I told my mama I would quit. What can I say? I'm still breathing, falling in love every evening. So we just gonna stay teenage dreamers on this way. I told my mother I grow up. What can I say? I'm still breathing, falling in love every evening. Now I'm feeling young. I'm staying out late. Wake up with champagne, pour me an A. I told my mother I would quit. What can I say? I'm still breathing, falling in love every evening. So we just gonna stay teenage dreamers on this way. I told my mother I grew up. Victoire 6 buts à 1, ça s'est très très bien passé pour nous. Il a pris un petit carton rouge à la fin, en plus c'est un petit peu bête, mais bon, la victoire est quand même méritée. 11 tirs à 6, il y a eu des buts assez sympas, notamment le coup franc de Depay sous la barre transversale. Pour l'instant, on commence bien la division 3, 2 matchs, 2 victoires, 6 points. On enchaîne tout de suite avec le troisième match. Let's go, man! Come on! Still don't know me, it's so evident. 2 million fucking views and growing. Follow my accomplishments. I mean, c'est pas hors jeu. Allez, Juju. Mais oui, Juju. Bien joué. Le Juju national, toujours présent. Même en division 3, il est là. Bien joué, garçon. Et merde, la vitesse. Oh, y'a des fautes là. Bah oui, quand même. À un moment donné, faut les siffler, quoi. Allez, Douglas. Mais oui, toujours présent, le petit Douglas Costa, pour mettre les buts importants. On reprend l'avantage de 2-1, les gars. Mais non. Le mec, il rage quitte direct comme ça, quoi. Ok. Le mec, j'ai pas compris. Bon, après, c'est le 3-1, ok, mais bon, c'est pas comme si c'était le 5e ou 6e but. L'adversaire a décidé de rage quit après ce joli petit but et encore la célébration de Ramirez. J'avais fait un petit râteau pour éviter le gardien. Finalement, j'ai réussi à éviter le tacle. On commence très très bien cette division 3, puisqu'on a fait 3 matchs, 3 victoires. Comme on n'a pas fait de carrière pro, on va faire un 4e match. D'habitude, je fais que 3 matchs, mais on va faire un 4e match. Ouh, il a réussi à me blesser, mon Douglas Costa. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller acheter, parce que je crois que j'en ai plus. Voilà, je vais acheter une petite carte forme, carte soin plutôt, et on se retrouve tout de suite pour le 4e match. Dernier match, montre-moi ton équipe. Montre-moi ton équipe pour le dernier match. Troy Deeney en pointe avec défaut. À gauche, je sais plus, je crois que c'est peut-être Jarvis. Milner, le MOC, je ne sais pas qui c'est. Mais en tout cas, on va essayer de gagner ce dernier match de Div 3. Always
waiting here patiently, waiting for the day you're back face to face. Pretty eyes, long nights got away from me. And I just wanna say something to you, girl. Hey, wait, I forgot your name. I ain't seen you forever, baby. When we did that, yeah, poolside chilling every afternoon. Bring all your friends back. She was better than most. Des fêtes. Il y a eu trop de ratés, sincèrement, j'ai fait trop de ratés. Je me suis viandé devant les cages, je me suis cassé les dents, j'ai tiré, il y avait plus de gardien, j'arrive à la mettre au-dessus, je mets encore un poteau, il me semble. Enfin, bref, c'était n'importe quoi. Première défaite dans cette division 3. Ça va, on aura joué quand même 4 matchs. Heureusement pour nous, on a gagné les 3 premiers. J'aurais préféré gagner le 4ème, mais bon, au moins on a gagné les 3 premiers matchs. On a 9 points dans cette division 3, on est bien parti. Ça va être des matchs de plus en plus durs, comme celui qu'on vient d'avoir là. J'espère que je vais quand même les remporter les prochains, parce que là, je méritais. Après, on va renforcer notre équipe arrivée en division 2, et arrivée en division 1, ça va être le feu, ça va être n'importe quoi. On va tomber sur du lourd, on va tomber sur des joueurs très 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 forts, je pense. Et on va prendre des fessés très certainement, parce que là déjà le 3-1 il fait un peu mal. Mais bon, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour la suite de l'ascension des divisions. Prenez soin de vous les escrocs. C'était Flo Knox aux manettes.